tudo bem? Seja bem-vindo ao Eurocomics, o canal do YouTube que traz o melhor do universo dos quadrinhos europeus e companhia limitada para você. E hoje a gente vai falar sobre um quadrinho de aventura e aviação que foi criado pelo roteirista Jean-Michel Charlier, de Blueberry, e pelo desenhista Uderzo, de Asterix. Suas histórias têm o comandante Michel Tanguy e o tenente Ernest Laverdure, os dois melhores pilotos da Força Aérea Francesa e amigos para todas as horas, como personagens principais. Os dois vivem grandes aventuras recheadas de ação, perseguições, cenas aéreas de tirar o fôlego, muita espionagem e por aí vai. E por conta do galanteador Laverdure, que é um sujeito não tão sério quanto Tanguy, chegando até mesmo a ser atrapalhado, esta HQ tem um certo humor. Tanguy e Laverdure começaram a ser publicados em 1959 na revista francesa Pilote. Em seguida, a partir de 1961, estrearam em álbum. Com o Uderzo no traço, saíram 8 títulos até 1967. Depois que ele passou a se dedicar exclusivamente a Asterix, o desenhista Gigé assumiu a franquia até 1982. A partir deste mesmo ano, começaram a sair álbuns com outros desenhistas até 1988, ainda com o roteiro de Jean-Michel Charlier, que morreu em 1989. Aí, tudo ficou um tempo parado, voltando somente em 2002, com uma nova série regular que se chamou inicialmente As Novas Aventuras de Tanguy Laverdure e passaria a ser conhecida já no seu segundo volume como Os Cavaleiros do Céu, como já era chamada desde o antigo volume 10, ainda com Gigé. Esta nova leva de HQs, cujas histórias colocam Tanguy Laverdure nos dias atuais, contou com roteiros de Jean-Claude Ledin e a alternância de vários desenhistas. De lá pra cá, já foram 7 volumes. Os dois mais recentes, Os Diamantes de Areia e O Sabre do Deserto, têm roteiro de Patrice Buendia e Frédéric Zambiel. Nessas aventuras, nossos heróis enfrentam traficantes de droga, terroristas e uma ameaça de invasão a um país do Oriente Médio aliado do Ocidente. Desta vez, Tanguy Laverdure pilotarão aviões Mirage 2000N com capacidade para transportar uma bomba nuclear. Enquanto isso, uma outra série, retomando o estilo clássico, né, da HQ de Charlier e Uderzo, começou a sair paralelamente a Os Cavaleiros do Céu. É uma aventura clássica de Tanguy Laverdure, com roteiro de Patrice Buendia e desenhos de Mathieu Durand. Está aqui então o volume 3 desta série, que saiu em abril na França pelo selo Dargaud Zephyr, que o Patrice Buendia escreveu em parceria com Hubert Cunin. Nesta HQ, a frota antiga de aviões suíços está para ser trocada por Mirages 3 adaptados, numa operação que renderá muito dinheiro ao governo francês. Tudo ia muito bem, até que uma antiga aeronave militar suíça do modelo Vampiro cai misteriosamente nos Alpes. No momento em que os suíços estão impactados negativamente com a perda do piloto e aparelho, e antes que alguém diga que o caso possa não ter sido um simples acidente, mais um golpe baixo dos franceses no sentido de acelerar a compra de novos aviões, Tanguy Laverdure pilotarão cada um uma aeronave com as mesmas características daquele que deverá ser comercializado até uma base aérea da Suíça. É bom lembrar que nesses tempos de Guerra Fria, o país era um verdadeiro ninho de espiões. E tá aqui a minha coleção de Tanguy Laverdure, que eu não consegui completar até hoje, e que tem álbuns em português, da editorial Ibis, da Meribérica e outros em francês, incluindo volumes integrais. E o detalhe é que a coleção nunca saiu aqui no Brasil. Pois é, e é com muito orgulho que eu passo a falar com o Patrice Buendia. Bonjour, Patrice Buendia. C'est un plaisir de vous parler depuis le Brésil, où nous avons connu les aventures de Tanguy Laverdure dans les années 1970, au travers des éditions de ces célèbres personnages importés du Portugal. Bonjour PH, très heureux de faire cette interview pour ton site brésilien qui s'intéresse à la bande dessinée franco-belge, ce qui est assez inespéré. Comment ressentez-vous le fait de travailler sur les aventures de Tanguy Laverdure sur deux fronts, dans la série Les Chevaliers du Ciel, montrant le pilote de nos jours, et une aventure classique de Tanguy Laverdure qui remet en scène les héros dans les années 1960, à l'époque des albums de Jean-Michel Charlier et Uderzo. Quelle est, par conséquent, la série la plus difficile à réaliser? Alors, pour ce qui est du fait de travailler sur les deux séries,
En même temps, Tanguay la verdure classique et Tanguay la verdure, ce qu'on appelle série mère. C'est à la fois évidemment très pratique de travailler sur les deux, puisque ce sont les mêmes personnages, mais en même temps, évidemment, il y a le risque de se vampiriser un peu sur les deux séries. Mais ce qui nous en empêche, ce qui prévient un peu cela, c'est le fait que les deux séries ont des univers et des styles assez différents, en fait. Même si, évidemment, on est dans l'univers aéronautique, on est sur des bases militaires avec des avions de chasse. La série classique se veut évidemment plus proche des histoires que racontait à l'époque Charlier avec Uderzo. Et donc, on va être très axé espionnage, aventure, enquête. Quelque chose de à la fois évidemment toujours un petit peu technique, parce qu'il faut qu'on soit réaliste et convaincant dans le style aéronautique qu'on veut adopter, mais qui se veut quand même relativement grand public et qui du coup pourrait ressembler, évidemment c'est le but du jeu, aux séries un petit peu anciennes dans lesquelles à peu près tous les publics peuvent se plonger. La série mère est peut-être un tout petit peu plus technique, et puis surtout elle est plus dans le monde d'aujourd'hui, avec des enjeux en particulier géopolitiques plus précis et peut-être plus inquiétant pour le public d'aujourd'hui. Donc on est peut-être moins dans le pur divertissement, même si évidemment on essaye de l'être. Et puis évidemment les deux séries impliquent des avions différents, donc avec des capacités différentes, et du coup un type d'intervention différent. Ça va de soi que un Mirage 3 c'était pas un Rafale ou un Mirage 2000, donc ça implique aussi forcément des histoires et des aventures différentes. Mais dans les deux cas, de toute façon, c'est un vrai plaisir, à la fois parce que ça permet justement de traiter ces deux univers. Moi, je suis très attaché à cette BD entre guillemets originelle des années 50-60, qui a un petit peu, on va dire, formalisé ce qui est devenu le monde de la bande dessinée aujourd'hui. Et puis évidemment avec de très très grands noms comme Charlier, Uderzo, Giraud, etc. Mais je suis aussi très attaché au fait de raconter des histoires d'aujourd'hui. Donc voilà, le fait de travailler sur les deux séries en même temps avec ces personnages, c'est à la fois un challenge mais aussi un plaisir incroyable, quoi. D'autant plus que moi j'étais très fan de la série. Les deux premiers albums que j'ai eus enfant, franco-belge, c'était deux albums écrits par Charlier. C'était le Fornavajo de Blueberry et puis l'Escadrille des Cigognes de Tanguay la Verdure. Donc évidemment, c'est des séries auxquelles je suis attaché. Mais en plus, surtout, j'étais très fan de la série télévisée Les Chevaliers du Ciel, que je regardais gamin. J'avais le disque de la chanson de Johnny et tout. Donc c'est vrai que c'est des personnages auxquels j'étais très attaché. Donc le fait de travailler, non pas sur une, mais sur deux séries, c'est inespéré, c'est un vrai plaisir, quoi. En 2016, vous avez rendu visite à Albert Uderzo en compagnie du dessinateur Mathieu Durand pour présenter votre travail sur Menace sur Mirage F1. Tout a été enregistré dans une vidéo publiée sur YouTube. Pourriez-vous nous décrire l'émotion que vous avez ressentie lors de cette rencontre historique ? Alors effectivement, avant de démarrer l'album, le premier album classique, on a eu la chance inouïe d'aller rencontrer Albert Uderzo chez lui. Pas tant pour faire un coup de pub, puisque ça a été un peu relayé sur certains sites ou certains magazines, mais pas tant que ça finalement. C'était surtout pour, d'une certaine manière, être adoubé par le maître. Parce que, tout simplement, c'est juste l'un des plus grands dessinateurs de toute l'histoire de la BD. Et il se trouve être en plus le créateur d'Astérix, mon papa, etc. Et puis de Tanguay la Verdure. Donc, pour nous, reprendre la série en ayant son approbation, c'était à la fois super important, parce que du coup, on se sentait pas des usurpateurs. Et puis en même temps, c'était un plaisir incroyable, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, je rencontrais vraiment une de mes idoles, ce qui arrive assez rarement. Ça a permis vraiment d'échanger un peu avec lui. Il a pu surtout regarder les pages de Mathieu et lui dire tout le bien qu'il trouvait de son travail. Donc,
Donc c'était, ouais, non, c'était très émouvant, puis aussi en plus un petit peu amusant, puisque Mathieu avait rien trouvé de mieux à faire que de nous amener ses uniformes, puisqu'il est collectionneur d'uniformes et casques de l'armée française. C'est un grand malade. Et du coup, il nous avait amené les uniformes et on était tous les deux habillés en militaire de l'époque. Donc je faisais un tout petit Tanguy et lui un très grand La Verdure. Et voilà, donc c'était un moment un peu surréaliste. Mais non, c'était vraiment un grand moment. Et pour le coup, un moment que je ne m'attendais pas à vivre en commençant à écrire des BD il y a une quinzaine d'années, quoi. Donc non, c'était un grand super moment, quoi. Dans les deux premiers tomes d'une aventure classique de Tanguy La Verdure, vous avez adapté en bande dessinée un roman de Jean-Michel Charlier qui existait déjà, L'avion qui tuait ses pilotes. Alors, comment cela se passait-il maintenant pour partir de zéro d'un coup de feu dans les Alpes en collaboration avec un autre scénariste, Hubert Cunan, qui fait ses débuts dans la série? Effectivement, les deux premiers tomes du classique, c'est l'adaptation d'un roman de Charlier. Alors c'était une adaptation, hein, ce qui veut dire que c'était un vrai scénario quand même de ma part, je le précise, parce que mon nom n'était pas sur la couve, donc on pourrait être tenté de penser que c'est un scénario de Jean-Michel Charlier. Mais non, c'était un roman de la Bibliothèque Verte, que j'ai donc adapté sous une forme scénaristique, avec le souci d'être le plus fidèle et précis possible par rapport à ce qu'était son roman, mais en même temps en m'autorisant à prendre certaines libertés, en particulier sur le deuxième tome où il y a beaucoup plus de changements par rapport au roman, tout simplement parce que Charlier avait écrit un roman, ça veut dire que certains événements avaient une forme romanesque qui fonctionnait bien, mais qui visuellement n'aurait pas été super intéressante. Mais là, effectivement, à partir de Coup de feu dans les Alpes, on part complètement sur une histoire originale. C'est à la fois évidemment un peu inquiétant parce qu'on se demande comment on va être reçu par les lecteurs les plus fans et les plus vieux fans, je serais tenté de dire, c'est-à-dire ceux qui suivent vraiment la série depuis le départ et qui sont donc forcément très attachés à Charlier, et ils ont raison. Mais c'était aussi super excitant parce que évidemment là on va raconter les histoires qu'on veut vraiment et des histoires qu'on va inventer de toutes pièces. Donc j'ai pu le faire avec Hubert Cunan qui se trouve être un fou furieux d'aéronautique suisse, il est helvétique lui-même, et du coup, ça nous a permis d'être vraiment extrêmement précis sur tout un tas de choses, à la fois les lieux, le type d'avion évidemment, les marquages, les indicatifs, et puis toutes ces spécificités très suisses qu'on ne connaît pas forcément, comme les grottes dans lesquelles sont cachés des avions, qui sont accrochés comme des jambons pour gagner de la place, ou bien le fait que certains pilotes ont un autre métier dans le civil et tout ça. Donc Hubert, de ce point de vue-là, était vraiment un renfort plus que précieux pour vraiment être au plus juste de ce que pouvait être l'aviation suisse de cette époque-là. Et puis moi, ça me permet aussi de me replonger avec un certain délice dans l'univers des années 60, parce que c'est un univers que j'aime bien à la fois en bande dessinée et au cinéma. Et donc là, ça nous permet évidemment de nous plonger dans quelque chose d'un peu technicolore, formidablement bien rendu par Katie Formaggio, notre coloriste, et puis nous plonger dans ces histoires d'espionnage, comme il y en avait beaucoup dans les années 60, suite au succès de James Bond, évidemment, et de OSS 117 et de tous ces héros d'espionnage. Et du coup, voilà, on est un petit peu dans cet univers-là, c'est un univers que j'aime beaucoup, donc ça a été, ça a été à la fois excitant, effrayant, mais surtout un grand bonheur. Toujours à propos d'une aventure classique de Tanguy La Verdure, comment se déroule votre collaboration avec le dessinateur Mathieu Durand ? La collaboration avec Mathieu, elle se déroule de façon assez idéale. En fait, il dessine exactement ce que j'ai envie de voir sur ces histoires-là. Et en plus, il se trouve que le type est adorable et il dessine sublimement bien, donc ça peut que bien se passer, quoi. Il est très précieux, donc du coup, pour moi, qui connais un peu l'aéronautique parce que j'ai pas mal écrit sur le sujet, mais qui ne suis pas un spécialiste, c'est-à-dire que je suis pas un fanat, je connais pas tous les moteurs par cœur, je connais pas tous les modèles par cœur. Par contre, je connais quand même les grandes bases de l'aéronautique. Et puis surtout, je sais que sur certains aspects, il faut être très précis, donc bien se renseigner. Et ça, bon, c'est l'un des avantages qu'on a chez Zephyr, c'est qu'on est très entouré. Donc on va pouvoir aller chercher les bonnes personnes pour trouver les bons renseignements ou les bonnes sources visuelles. Mais l'avantage en plus de Mathieu, c'est qu'il connaît parfaitement toute cette période-là et tous ces avions-là.
Donc, il enrichit formidablement les scénarios. Et ça, c'était un peu inattendu. Je ne pensais pas qu'on allait aller sur ce type de collaboration. Pour donner un ordre d'idée, la séquence où le Mirage 3 part en vrille sur Coup de feu dans le Zap n'aurait pas du tout été la même si je l'avais faite avec un autre dessinateur. Parce qu'un autre dessinateur aurait sans doute suivi mon découpage. Mathieu, lui, l'a enrichi. Il me propose des choses. Il nous propose des choses, en l'occurrence, puisque Hubert faisait partie de la boucle, en nous disant, bon, voilà, là, je pense qu'il faudrait plutôt ajouter telle case, parce que c'est important qu'on voit tel aspect technique de l'avion qui fonctionne mal. Il va ajouter aussi des choses dans les dialogues, il va préciser des choses. Enfin, voilà, il va être vraiment une vraie force de proposition et hyper pointu, hyper technique. Donc après, c'est aussi un peu à moi, parfois, de lui dire, attention, si on ne veut pas s'adresser à quelques petits milliers de fanas qui sont évidemment très respectables et qui ont le droit qu'on s'adresse à eux, mais il ne faut pas qu'on s'adresse qu'à eux. Il faut qu'on s'adresse aussi à un public plus large qui va devoir comprendre et apprécier les histoires qu'on lui raconte. Donc parfois, voilà, je le modère un peu, mais quand même, c'est une richesse incroyable que d'avoir un dessinateur aussi pointu sur le sujet qu'on est en train de traiter, quoi. Donc voilà, non, travailler avec Mathieu, c'est vraiment incroyable. D'un coup de feu dans les Alpes, comment s'est passé votre travail de recherche pour écrire un scénario qui se déroule en Suisse à une époque où l'espionnage était intense là-bas? Alors, le travail de documentation sur coup de feu dans les Alpes, il est de trois types. À la fois l'aspect aéronautique, à la fois l'aspect suisse, et à la fois l'aspect années 60, 64 précisément. Alors, pour l'aspect aéronautique, évidemment, j'ai des bases, je sais ce que, à peu près, je peux raconter, mais je m'enrichis, comme je te l'ai déjà dit, beaucoup de la collaboration avec Mathieu, qui est un vrai fanat, mais aussi, évidemment, là, beaucoup de la collaboration avec Hubert, qui est un vrai dingue d'aviation suisse, et qui, donc, connaît extrêmement bien toute cette époque-là. Pour ce qui est de l'aspect purement suisse, alors là, c'est Hubert. À 100%, qui nous renseigne beaucoup. Alors, je dis à 100%, pas tout à fait, parce que moi aussi, je vais chercher des choses. Quand, par exemple, j'ai besoin d'un grand palace dans lequel réside Drake, le gradé qui commande donc les opérations à Johanna, ça, je vais le chercher, parce que j'aime bien trouver les lieux, comme j'aime bien trouver aussi certains véhicules. Je trouve que c'est une bonne façon de caractériser les personnages. Donc là, c'est moi qui vais les chercher. Mais quand même, le gros de notre documentation suisse, c'est Hubert qui nous l'a amené. Alors du coup, comme il aime beaucoup sa nation d'origine, il est parfois un peu monomaniaque, donc il faut lui aussi le modérer, en lui expliquant que, certes, c'est important d'avoir tel bus ou telle rame de train qui sont représentatifs de l'époque, mais on fait pas une BD sur ces objets-là. Mais par contre, voilà, c'est un avantage, c'est que Hubert, lui, il connaît très bien tout ça, et il peut vraiment nous trouver jusqu'à la couleur de tel bus, de telle ligne de bus, à telle saison, telle année, quoi. Vraiment, il est pointu à ce point-là. Donc, je n'envie pas sa jeune épouse, mais parce que je pense qu'il doit passer beaucoup, beaucoup de temps dans ses livres et derrière son ordinateur. Mais du coup, pour moi et surtout pour Mathieu, c'est pratique parce que ça nous permet d'avoir des sources visuelles d'une grande précision, quoi. Et puis alors pour l'aspect 64, bon, bah, comme je te l'ai déjà dit, c'est une époque que j'aime bien dans la fiction, donc y a déjà pas mal de choses auxquelles j'étais sensible et que j'avais déjà en stock, donc j'avais pas eu à trop chercher sur le type d'histoire que je voulais raconter, donc sur les rapports par exemple entre les différents services d'espionnage, mais aussi sur les véhicules, par exemple il y a une poursuite en voiture, je savais déjà assez tôt quel type de voiture j'allais leur faire conduire, mais quand même sur l'aéronautique et la Suisse, c'était évidemment Mathieu et Hubert qui ont été une source très très utile. Effectivement, l'aspect géopolitique de la Suisse de 64 était important, à la fois les histoires d'espionnage mais aussi le monde du renseignement m'a toujours intéressé, donc j'étais quand même un petit peu documenté là-dessus. Ça veut évidemment pas dire que c'est une œuvre de documentaire, hein, sur le sujet, mais grosso modo, c'est des rapports auxquels j'étais déjà un peu sensibilisé. Évidemment, grosso modo, le rapport de toutes les puissances en Suisse, qui était donc un territoire neutre, mais qui servait de un petit peu de territoire d'échange ou de passage
pour grosso modo les espions du monde entier, principalement quand même les espions américains ou britanniques, et d'un côté, et de l'autre des espions du bloc de l'Est. Mais du coup voilà, c'est un univers qui m'intéresse quand même pas mal, et sur lequel j'avais déjà pas mal de connaissances que j'avais envie d'aborder dans cette histoire-là.